Chérie, j'arrive. Fais vite. D'accord. Obi, tu mets beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'arrive, chérie. Hey. Désolé, j'arrive. Hein. Hey. J'espère que je n'ai pas perdu de temps. Hein? Pas vraiment. D'accord, merci. Hey. Vraiment, hein. Maintenant, allons-y. Obi, qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Ouais, je vais bien. On y va, on n'a pas assez de temps. Obi! Allez, attends un peu. Qu'est-ce que c'est? Mon ventre, s'il qu'est-ce te plaît. Qu'est-ce que tu as? Obi! Ah! Tu vomis du sang? Maman! Maman! Ah! À l'aide! Maman! Ah! Maman! Obi, du sang! Ah! Qu'est-ce que tu as? Ah! À l'aide! Ah! Maman! Maman! Ah! Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Obi! Obi! À l'aide! Au secours! Maman! Oh mon Dieu, Obi, ils sont pris. Maman! Obi, Obi, je t'en... Aïe! Oh mon Dieu, à l'aide! Au secours! Oh, 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 maman! Obi, maman, Obi, Obi, lève-toi, je t'en prie. Lève-toi, Obi, Obi, lève-toi, je t'en prie. Lève-toi, allez, allez, Obi, maman! Nako, la manière dont tu es venu me rendre visite sans me prévenir, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Juste croire que Chike va bien. Oui, ton neveu Chike va très bien. Et d'ailleurs, bien. Nous allons tous bien. Oh, très bien. Mais je suis venue. Je suis venue te faire part de mes intentions. Je vais vendre une partie des terres de mon mari pour financer le voyage de mon fils à l'étranger. Ok, il n'y a pas de problème. Hey. Tu sais que si j'avais de l'argent, je ne te permettrais pas de vendre ce terrain. C'est vrai, mon mari. Mais je sais aussi que quoi que l'on prenne comme décision pour les progrès de cette famille, mon frère, ton mari, s'en réjouira. Au pays de nos ancêtres. Oui, je le oui. sais très bien. Merci beaucoup, mon mari. Merci, j'apprécie beaucoup. Oh, j'apprécie, très bien, très bien. Beaucoup. Est-ce que les acheteurs sont prêts? Oui, ils sont prêts. Oui, ils sont déjà prêts. Ils tenaient d'ailleurs à ce que nous puissions déjà conclure l'affaire. Mais je leur avais dit d'attendre puisque j'avais besoin d'avoir votre aval avant Ezi de conclure bon le marché. Ezi bon Merci pour ça. Merci à toi. Tu es une bonne femme. Pour être venu me demander permission, moi le frère de ton défunt mari, c'est oui. tout à fait normal, c'est la tradition. Mais tu vois, tu n'as pas à pleurer, car ce n'est plus le temps de pleurer. Hein? Ne pleure pas, je suis là pour toi. Merci. Tout ce dont tu as besoin, juste ouvre ta bouche et dis-le-moi. Et je serai là pour toi. Merci beaucoup. Oui, je serai là pour toi. Qu'est-ce que je serais devenue depuis la mort de mon mari? Merci beaucoup pour ton aide. Tu vois, si ce n'était pas que la mort était folle, comment la mort peut venir prendre mon jeune frère, surtout à ce moment précis? C'est pourquoi? Triste. Mais c'est bon, c'est ne pleure triste. Pas, je suis là pour toi. Hein? Je suis là pour toi. Dès qu'ils sont prêts, et même si c'est demain, qu'ils viennent comme ça, on va parler. Hey, aussi vite comme ça? Oui. Hey, mon mari, merci. Merci, tu t'es montré bon envers moi. Que les dieux de notre terre vous bénissent.
Issé, qui te bénisse aussi. Et sur tes larmes, ma chère. Très bien. Laisse-moi me dépêcher. Hein. Je vais très bien. Aller les rencontrer. Que okay. Les dieux soient avec vous. Hein. Bien. Obi, dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai, tout ce que j'ai dit. Ce que je te dis, c'est la vérité, rien que la vérité. Honnêtement, je sais très bien que je suis mort dans ce rêve. Ah, jamais de la vie. Obi, je les renvoie à l'expéditeur. Ah, ah, mais c'est quoi ce genre de rêve terrible? Je remercie Dieu que ce n'était qu'un simple rêve. C'est trop réel pour ne pas y croire. Je veux dire, comment aurais-je pu me sentir dans l'au-delà si je t'avais perdu? Obi, tu ne vas pas mourir. Je le répète, tu ne vas pas mourir. Hein? Nous allons vieillir et mourir l'un dans le bras de l'autre, ensemble. Pour toujours. Pour toujours. Obim. J'aime quand tu dis ça. Nous mourrons tous les deux dans les bras de l'un et de l'autre. Ensemble. Pour toujours. Osondo. Il a quoi? Ah! Donc, tu ne m'as pas vu pour me saluer, hein, Osondo? Pourquoi te saluer maintenant? Pourquoi te saluer? Toi, tu ne m'as pas vu pour me saluer. J'allais mon chemin, tu allais aussi ton chemin. C'est spirituel que chacun suive sa voie. Là où tu vas ne me concerne pas. Laisse-moi aller aussi là où je vais. Ne m'appelle plus. Spirituel! Est-ce un bon esprit ou un mauvais? Ça te concerne. Hein? Qui a fait de toi le grand prêtre de notre village? Anno, je t'appelle encore. Anno, je te préviens pour la dernière fois. Ne me dérange pas. Je suis très en colère. L'agressivité dans mon esprit se déchaînera contre toi. Ne me tente pas. Vous tous dans ce village, pensez-vous que j'ai oublié? Parce que tu te fais appeler Anno, criminel Anno. Vous tous dans ce village, je connais vos secrets. Vous aviez fait vos mauvais plans. Et vous m'aviez envoyé vos esprits au nord. Et ils ont brûlé mes boutiques. Toutes mes boutiques. Et ça ne te suffit pas. J'allais calmement. Tu me dis que je t'ai pas salué. Oh non, combien de fois je t'ai appelé? Fais beaucoup attention. Si tu me vois encore sur la route, ne m'arrête pas. Sinon, je t'arrêterai. Tu penses que je ne connais pas ton plan? Vous me tuez, mais je ne peux jamais mourir. Vous ne pouvez pas m'éliminer. Je te dis, vous ne pouvez pas m'éliminer. Après tout ce que vous m'avez fait, toi et tes collègues anciens criminels et cruels, vous avez brûlé mes boutiques au nord. Ça ne vous suffit pas. Je suis revenu, vivant. Pour oublier mes soucis. Et maintenant, tu m'appelles ici. Hey, Ezandu, tu ne me salues pas, tu ne me vois pas. Pourquoi te voir? Pourquoi vais-je te voir? Si je disais que le tonneau te frappe, tu dirais Osondu, que tu m'embêtes. Osondu! Qu'est-ce que tu peux faire? Tu cries sur moi. Pour ne pas crier sur toi. Tu oses crier sur moi. Tu es un homme mauvais. Ok, Igwe apprendra ses accusations. Igwe. Igwe doit l'apprendre aujourd'hui même. Igwe est puissant. Je te dis, tu es un criminel. Ok, tu verras ce qui va arriver. Il ne va se passer. Igwe doit l'apprendre. Allez, Igwe. Ses accusations. Igwe qui n'a même pas ses pouvoir. Accusations. Quelle accusation? Vous êtes tous des criminels. Hommes il mauvais, est tué, méchant. Igwe doit l'apprendre. Oh non, regarde-toi. Tu veux te faire voir. Osondo, espèce idiot. Un nono ordinaire que tu es. Tu m'appelles Osondo. Tu ne me salues pas. Pourquoi te saluer? Criminel oh non. Des hommes mauvais que vous êtes. N'importe quoi. Igwe doit apprendre ça. Qu'est-ce qu'Igwe va entendre? Êtes-vous différent? N'importe quoi. Je pense que tu as vu combien ce terrain est vaste. Et tu peux voir que le terrain est tout au long de la route. C'est vraiment avantageux.
Ouais, la vue est superbe. Elle est vraiment superbe. Mais non, s'il vous plaît. Je vous prie de rajouter une somme sur cet argent puisque c'est pour une raison que je me suis décidé de vendre cette terre. Si Madame, vous pouvez rajouter ne fût-ce que 100 naira ou 50, s'il vous plaît. Madame, je suis un homme de parole. Si vous n'êtes pas confortable avec ce prix-là, alors oublions cela. Mbano. Ces mots proviennent de la bouche d'une pauvre veuve, hein, qui a décidé de vendre son héritage juste pour envoyer son fils à l'étranger. Oui. Son fils qui a l'ambition d'aller travailler et étudier à l'étranger. Oh, gars, s'il vous plaît, alors, c'est quelque plaît, chose. S'il vous plaît, hein? S'il vous plaît. Non, c'est bon. Je peux parfaitement comprendre la situation qui se passe. Je vais y ajouter 5 000. Je pense que ça suffira. Merci, monsieur. Très bien. Merci pour votre patience. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hey, merci beaucoup. Très gentil. Ça va. Voici le miracle de Dieu. Maman. Dieu nous est favorable. Si tout est OK, allons chez moi comme son papa. Non, mais nous allons bien. Allons-y. Hey, très bien. Ça, c'est la fille de Dieu. Dieu merci. Tu vois comment? Dieu merci. Dieu a entendu nos prières. Maman, tu vois le miracle de Dieu. Hey, Dieu merci, oh. Mon ami. Chike, mon meilleur ami. Pourquoi je ris même? Oh, Sando. Chike, mon ami. Chike, le vrai homme dans toute cette communauté. À part toi, il n'y a plus d'autres tickets. Tous les autres tickets sont des faux. Tu as compris? C'est toi qui le dis. Écoute, tu sais ce que j'ai dit à mon chauffeur? Quand je t'avais vu dans mon rêve, tu étais sur le trône. Tu avais ton cabinet tout autour de toi. Et tout le monde disait « Igwe !» Et toi, tu répondais « Ah, mon peuple d'Amonique, n'ayez pas peur. » Ah, Asanda, tu vas me tuer. C'est moi. Qu'est-ce que les Tu as toujours quelque chose à dire. En fait, tu as fait ma journée. Qu'est-ce que tu tiens? Asanda, s'il te plaît. Tu m'as vu. Chike, sur le trône, en tant que qui? S'il te plaît, je vais quelque part. Non, écoute. Tu vois, c'est pourquoi je ne vous comprends pas quelquefois. Si c'était le président de la République qui t'avait dit ça, tu allais croire. Je vois que tu ne me crois pas parce que je ne suis pas une personne spéciale. Non. Si tu es spécial, tu allais dire « Ah, Ezendo, Non. Comment puis-je dire ça? Osondo, depuis que tu es revenu du Nord, tu es devenu une personne spirituelle dans notre communauté. ok. Maintenant, laisse-moi apprécier le fruit de ton super talent. Encourage. Laisse-moi t'apprécier. L'enveloppe que tu tiens là, c'est comme il y a une bonne nouvelle. Osondo. Tiki, mon ami. Osondo. Je n'aime pas l'argent. Tu n'aimes pas l'argent? Ouais. Ok, on se verra quand je serai de retour. Non, attends, laisse-moi te dire, mais si tu insistes, je peux le gérer. À cause de toi. Osondo. Pas de problème. J'insiste. Merci beaucoup. J'insiste. À cause de toi. D'accord. Merci beaucoup. Attends un peu. À cause de cet argent que tu m'as donné, tu as semé dans ma vie. Laisse-moi te donner une prophétie. Écoute, Osondo, que les villageois le veuillent ou non, la manière dont ils m'ont fait tomber du Nord, personne ne peut te faire tomber. Amen. Je suis sûr que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui m'a... Ne me blâme pas, je suis en colère. Je te crois, tu sais ça, non? Tu ne mourras pas. Amen. Personne ne peut te faire tomber. Amen. Ils ne veuillent pas tous ces villageois, y compris Igwe et son vaurien, Enou. Enou est un vaurien. Baisse ta voix, les gens vont t'écouter. Enou. Enou, j'ai compris. Mais ne crains pas. Merci. Ne crains comme moi. Dieu merci. Igwe. Mon ami. Cesse de m'appeler Igwe en public. Tu as la... Pourquoi tu as peur? Ne crains rien. Ils ne peuvent rien te faire. Dois-je inverser ma prophétie sur toi? Ne sais-tu pas que ça va s'accomplir? Non, ne t'en fais pas. Ça va s'accomplir. Ils ne peuvent rien te faire. Ça va s'accomplir. Hey, Chike, ma pote. Igwe. Tu avances, tout le monde crie. Hey, Igwe. Igwe passe et tout le monde crie. Chike est bienvenu. Merci beaucoup. Tu es venu avec l'argent. Tu aurais dû faire un transfert au lieu de prendre ce risque de quitter ton village pour venir avec l'argent ici. Je comprends. Monsieur Duke, où est-ce que je vais trouver cette opportunité? Mais le problème est que chez nous, dans notre village là-bas, il n'y a pas de banque. Mais vous savez, une telle somme d'argent, je ne peux pas la remettre aux jeunes filles et garçons qui sont au point de transfert d'argent. Avant de savoir, ils vont fuir avec ça. S'il te plaît, mon frère, j'ai décidé d'apporter ça moi-même. Vous avez raison. Ok, la bonne chose, c'est que vous êtes ici avec l'argent. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Duke, je suis désolé de dire ceci. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais je dois le dire. C'est pour que les choses soient claires.
Allez-y. Vous savez, ma mère et moi avons vendu le seul terrain que nous avions afin de toucher cet argent. Honnêtement, nous ne resterons plus en vie si quelque chose arrive à cet argent. S'il vous plaît, si ce n'est pas du vrai, dites-le moi aussitôt, mon frère. Et Dieu vous bénira. S'il vous plaît, mon frère, je suis dans vos mains. Chidé. Oui. Ce n'est pas seulement que je suis un agent de voyage. Je viens également du même village que toi. Je sais. Si je n'étais pas sérieux, je n'aurais jamais permis que tu ailles aussi loin pour avoir cet argent. Oh, merci. Je sais absolument tout sur toi. Ouais. Raison pour laquelle je t'ai choisi. Que Dieu vous bénisse. Alors, calme-toi. Et crois-moi surtout. Je vais faire en sorte que ça marche. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, vous savez, non, c'est pour être bien rassuré. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de quoi. Mon Dieu vous bénira. Il vous bénira. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Ma mère sera très heureuse d'entendre cela. Bon voyage pour le retour. Merci, monsieur. Hey. Mes salutations à ta mère, surtout. Je ne manquerai pas. Ok. Chike. Chike, maman. Ouais, maman. S'il te plaît, viens. J'arrive. How do we go? Maman. Non. Je suis occupé à l'intérieur. Pas de problème. Viens, parle un peu. Est-ce que tout va bien? Oui. Ok, laisse-moi m'asseoir. Seigneur. Maman, qu'est-ce que c'est? Mon fils, j'étais en train de penser. Tu penses de quoi? À propos de... Doukou. Hein? Non, es-tu sûr qu'ils ne vont pas bouffer notre argent? Maman. Doug m'a donné l'assurance. Mais il y a quelque chose aussi en moi qui me dit qu'il est vrai. Quelque chose en toi qui te dit qu'il est vrai? Qu'est-ce qui t'assure? Quelle expérience que tu as, toi, dans cette affaire? As-tu une agence? Maman, je ne suis pas un agent de voyage. Je n'ai jamais travaillé nulle part, tu le sais. Mais... nous devons rester unis en prière. Honnêtement, je suis sûr que quelque chose de bien pourrait sortir de ça. Ok. Seigneur, tu es notre seul espoir. Tu as entendu ça. Je te prie de nous aider. Nous sommes entre tes mains. Seigneur, tout ce que nous avions, nous l'avons misé dans cette affaire. Mon papa, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche. Et s'il te plaît, que personne ne prenne de l'avantage sur nous. Maman, laisse-moi aller continuer ce que je faisais. Ça va, mon fils. Ne pense pas beaucoup. C'est bien. Merci. L'Éternel vient à mon secours.
Maman. Bonjour, maman. Salut. Nous nous connaissons. Bonjour, monsieur. Te voilà. Maman, j'espère que tu te rappelles de lui. C'est Duke, non? Le fils de Mazé Okanga. Eh oh, il y a des quoi? Duke, tu as tellement changé. Merci, désolé. Madame. C'est toi qui gères les dossiers de voyage de mon fils, n'est-ce oui, pas? Oui, c'est lui. Hey, hey, Dieu est bon. Mon fils, viens te mettre. Tu vas te rafraîchir non, un peu. Non, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais je suis pressé maintenant. Très vite comme ça. Chiké, monsieur. Je suis venu te livrer ton visa. Il est prêt maintenant. Visa? Tiens, prends ça, vas-y. Tu peux l'ouvrir. Allez-y doucement. Merci, vraiment, monsieur. Vas-y doucement. Hey, wow. Hey, wow. Hey. Ça fait tomber. Maman, engloutez direct. Maman, engloutez direct. Hey. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman. Hey. Engloutez direct. Hey. Hey. Merci beaucoup, monsieur. Hey, Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Hein? Merci. Hein? Je ne sais même pas quoi dire. Tourne un peu. Mais c'est ta photo. Maman, regarde ça. Photo, regarde ça. Merci beaucoup, monsieur. Là. Merci beaucoup. Hey. Je te l'ai dit. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, monsieur. Hein? J'ai apporté à manger. Je dois y aller. Oh non, je manque de mots, hein, merci. Chiké, hein, monsieur. Tu devrais commencer à te préparer. Tu n'as pas beaucoup de temps. Écoutez, monsieur Duke. Monsieur, il est déjà prêt. Dieu. Il est prêt. J'étais déjà prêt avant de faire ma demande. Tu n'es pas sérieux. Je vous dis, même si le vol est prévu pour aujourd'hui, tu serais dans cet avion. Non, oui, c'est ça, pour c'est pour montrer à quel point je suis mon prêt. Mon fils va voyager. Incroyable. Merci beaucoup, monsieur. Merci, hein. Hey, Timo. Merci, monsieur. Maman, donne-moi cet enveloppe. Donne-moi ça. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon visa est sorti. Mon visa est sorti. Je ne crois pas, monsieur. Je te l'ai dit. C'est pas vrai. Oui, tu l'avais dit. Plutôt. Je te jure, c'est comme une aventure. Maman, Angleterre. Regarde mon visage. Tu sais, ils m'ont pris cette vue dans ce jour-là. J'ai été même étonné parce que ce n'est pas une photo du genre. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir, monsieur. Hey, mon visa est là. C'est pas vrai. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Qui aurait cru que c'était vrai? Je n'en reviens pas. Regarde à quel point je suis. Mon unique fils, voyage. Mon visa est là. Hey, Seigneur Dieu. Edozingwan. Non, tu n'as pas écouté ce que j'ai Edozingwan. Ça va? Enlève ça, enlève ça. Oh. C'est quoi ça? Quelle bêtise. Papa, à chaque fois que je veux reposer ma tête et mémoriser ma musique, tu me déranges. Regarde-toi. À chaque fois que je veux me reposer ça et là. Regarde-toi. Hein? Tu perds ton temps. Ton cousin est là en train de se battre corps et âme pour être utile à lui-même et à la société. Et tu es là à vagabonder dans toute la communauté, ne faisant rien de bon pour toi. Regarde-toi. Papa. Papa, pourquoi tu t'inquiètes pour rien? Dis-moi, pourquoi tu te gênes? J'ai un destin différent. Chiké a un différent destin. Je suis une future star de la musique. Je vais voyager à l'étranger et la rendre grandiose. Et tu... Et tu seras fier de moi. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Tu seras fier de moi. Je ne te blâme pas. Continue de te tromper, ok? Mais laisse-moi t'avertir. Un chapeau sans la tête est inutile. Ce sont des choses élémentaires que tu dois comprendre. Le plus tôt que tu comprennes cela sera le mieux pour toi. T'as fini de parler? T'as fini de parler, papa? Quand je vais réfléchir et faire quelque chose de bien, tu me dérangerais, papa? Qu'est-ce que merde t'arrive, papa? Qu'est-ce que merde t'arrive? Bon sang! Qui est la merde? Qui est la merde des dossiers? Qui est la merde? Obi, c'est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Je suis vraiment contente pour toi. Allez, chérie. Heureuse pour nous. Oui, pour nous. Mais tu vas me manquer. Je sais.
rester séparés pendant plus longtemps ne fera que nous rendre plus forts. 3 années. 3 longues années, Obi, ça ne va pas être facile et tu le sais. Je sais, bien sûr. Mais, quoi que je fasse, où que je sois, tu seras toujours ici, dans mon cœur. Tu en es sûr? Sûr. Je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aimerai toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi. Edosier, Edosier, n'est-ce pas qu'on te parle? J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour perturber mon moment de paix et commencer à parler comme notre meilleur père. Essayes-tu de nous faire comprendre que tu n'es pas au courant de ce qui se passe? CNN, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, encore une fois, notre cousin Chike va voyager pour l'étranger, pour travailler et étudier. Son visa est déjà sorti. Et puis après, suis-je Chike? Avons-nous le même destin? Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui voyage à l'étranger et revient riche. Quelques-uns meurent là-bas et leurs cadavres jonchent les rues et même leur famille ne trouve pas leur corps pour enterrer. Écoutez, je n'aime pas ces foutaises que vous faites en me comparant avec Chike, Chike, si, Chike, ça. Si vous voulez que je quitte cette maison pour vous, je ferai ça puisque vous ne voulez pas que je me concentre sur ma musique pour devenir quelqu'un avec. Bon sang. Chique si, chique ça. Merde! Grand frère Dosier. Allez vous faire. Ifunanya. C'est tout ce qu'il sait faire celui-là. Mais pourquoi depuis toutes ces années, il continue toujours à s'obstiner à l'idée de faire de la musique? Est-ce que je sais? Je crois que ses amis le trompent. Tu le penses vraiment? Mm-hmm. Hey! À tout moment, yo. C'est tout le jour. Du fait qu'il refuse de nous écouter calmément, alors cette fois-ci, il va nous écouter. Oui, tu as raison. Allons-y. On y va. Edosier. Grand frère Edosier, viens haut. Edosier. Mais maman, c'est délicieux. Mon unique fils. À chaque fois que tu reviendras de l'Europe, je serai en train de te faire des repas très, très spéciaux. Ça sera des mains très équilibrées, comme ça tu auras une bonne posture. Maman. Et tu seras en train de briller. S'il te plaît, je ne veux pas prendre trop de poids avant qu'il ne me renvoie. Non, ça ne te rendra pas très gros. Tu auras juste l'air très frais et tu seras encore bien baraqué. Merci. Mon fils. Oui, maman. Ce que je voulais te dire ou la raison pour laquelle j'étais appelée ici. Pardon, mon fils. Maintenant que tu es rassuré de voyager. Pour bientôt, je veux que tu fasses très très attention avec les gens. Les gens avec qui tu vas parler, avec qui tu seras en train de rire, ou c'est avec qui tu vas t'associer, puisque le cœur de l'homme est tortueux. Oh. Ce n'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui est content de toi. Maman, tu sais que tu as répété cette même instruction. Plus d'un million de fois, même si je ne l'ai pas compté. Je ne me rappelle pas l'avoir dit aussi assez. Pas de problème. Maman, je t'ai attendu. Ouais. Et je te promets que je ferai exactement ce que tu viens de dire. Mon fils, considère ce que je t'ai dit. Oui, je t'aime beaucoup. Il n'y a pas de débat. Mon fils, tu es mon unique œil. Tu ne dois pas l'ignorer. Si quelque chose de mal t'est arrivé, je vais mourir. Ah non. Je serai fini. Je vais juste m'évaporer. Pas ça. Je t'ai dit vrai. Écoute, j'ai entendu ce que tu as dit. Et je vais faire de mon mieux. Je ferai vraiment attention. Maman, tu vois ce voyage que je vais effectuer. Une fois que j'arrive là-bas. Et je finis mes études. Je sais que Dieu m'aidera à trouver un bon boulot. Il t'aidera. Hey, maman,
Il t'aidera à les trouver. Je reviendrai dans ce village pour dépenser de l'argent sur toi. Mon maman, Dieu. Maman, je vais utiliser le dollar. Ringgit, livre sterling, des devises étrangères, ça ne sera c'est pas erreur. Ça ne sera ça, pas erreur. C'est mon fils. Maman, je vais utiliser toutes ces devises étrangères pour enlever 50 ans de ton âge. Tu redeviendras comme une jeune adolescente. Je ne peux plus attendre ces temps. Je marcherai avec fierté dans ces villages. Maman, tu vois comment toute ta poitrine est tombée. Au moment venu, quand tu vois tes seins, ils prendront bien la forme et chacun sera bien positionné. Comment on l'appelle ça même? Clivage. Ils seront bien pointus et bien debout, comme de la brique. Mais le sens, c'est que ça m'aidera, tu as dit que ça m'aidera à voir encore mes formes. Même la dernière, oui, c'est ça. Même des leggings, tu vas porter tout cela. Peu importe. Le sens, c'est que j'apparaisse fraîche. Hey, maman. Et là, ils sauront que mon fils a changé les standards. Il a fait voyager, il est revenu et m'a transformé. Je la sais que les gens aussi, de ce village vont encore m'envier. Non, et ça mon va. Fils, c'est comme je disais tantôt. Tout ce que je viens de dire ne sera possible que si tu restes prudent avant de voyager. Te voilà tous encore. Ces garçons qui te suivent ça et là, tu dois les éviter. Tu as encore commencé. Ils te feront passer à côté de ton objectif. Ok, 1 020 000 fois. Tu as ajouté une autre. Hey, maman, tu vas me tuer. Nico, tu dois avoir le temps de préparer ton voyage. Tu as besoin d'être seul, réfléchir comment ça sera, ce que tu dois apporter. Si tu n'es pas posé, si ce n'est pas cause de mon voyage, je ne mangerai pas ce genre de plan ce moment. Tu dois avoir ton temps. Pourquoi Osondo me déteste-t-il autant? Il a vu un Onowu, un premier ministre traditionnel. Mais il m'a ignoré complètement. Il va jusqu'à m'accuser, moi Onowu, ainsi que tous les villages, de vouloir détruire son business. Ce n'est pas possible. Non. Je dois en finir avec lui, comme une bête sauvage. Mais il n'est qu'un ivrogne. Un pauvre ivrogne. Alors pourquoi devrais-je me déranger pour lui? Pourquoi? Chike. Odogu. Chike. Ago. Oui. Mon frère. Pierrero. Mobi Mobi, c'est moi. Nando Bietina. Nando Bietina. Ago. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Il fait n'abaye quoi. Oublie ça, mon frère. Il est toujours été bien. Mais là où les choses se passent, mon cher. Nandi, je ne suis pas d'humeur pour toi maintenant. Si oui, je ne suis pas d'humeur. Je ne comprends pas. Mais rien de grave, c'est que je ne veux pas boire, c'est tout. Tu ne faisais pas le guise. Hey, non, quel malheur, c'est que je n'ai pas envie de boire. Mais vous allez boire, je peux vous reviendre après. Vous comprenez, non? Sinon, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas boire maintenant. Oh, j'espère que vous m'avez compris. Je ne veux pas boire. Je ne veux rejoindre personne pour boire en ce moment. Vous pouvez y aller, non? Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je ne comprends rien. Sais... Ce n'est pas de ton habitude. Un problème. Tu sais ce que tu vas rater? Je n'ai pas envie de boire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez me forcer? Je ne veux ça pas va. Boire, non. Merci beaucoup. On parlera après. D'accord? Nandi, il n'y a aucun problème. Amobi, c'est que je n'ai pas envie d'aller boire aujourd'hui. Pas de problème. Nandi, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je n'ai pas envie d'aller boire maintenant. Amobi. Mais pourquoi tu te fâches maintenant? Le problème est que j'ai pas envie d'aller boire aujourd'hui. Ça peut être un autre jour. En ce moment où mes papiers sont sortis, ils arrivent avec le mauvais esprit. Regardez-les. Pas de problème. Regardez-les. Des mauvais esprits comme ça. Je suis très contente pour toi. Merci. Tu es vraiment en train de briller. Oui, je dois briller, être heureuse. T'es une bosse. Je suis une bosse. Très bientôt, j'irai à l'étranger. En tout cas, je suis très contente pour toi. Très bientôt, tu vas voyager pour l'étranger, n'est-ce pas? Et puis, tu vas commencer à marcher. Et comme ça, regarde. Ok, La femme de Chica en devenir. Je suis très contente pour toi, Merci.
Donc tu vas devenir la femme du diaspora. Écoute, tu dois arrêter avec tes gros mots. Ne dis même pas ça. Un jour, ça te causera des problèmes. Tout ce que je sais pour toi est que je suis très contente pour toi, ma chérie. Merci. Et merci, je sais qu'il va te manquer. Beaucoup, ma chère. Je sais, c'est normal. La chose la plus importante est de te voir heureux et en bonne santé. Donc, si il est heureux, je le suis aussi. Mmh. Dieu merci. Tu sais que j'aime chiquer de tout mon cœur. Je sais que tu l'aimes. Attends que j'aille faire rentrer ça à la maison. Fais attention, hein. Fais attention, ma chérie. Seigneur. Vas-y doucement. Doucement. Tu ne te laisses pas de travail depuis maman, que tu veux commencer. Maman. Mon fils, le bosseur. Toi-même, tu connais ton fils. Vas-y doucement. Merci. Tu fais du bon boulot. Ma fille. Maman. Écoute, je veux te dire. Tout ce qui pourra venir t'empêcher d'épouser mon fils, moi, personnellement, je vais le détruire, écraser. Tu as mon soutien total. Tu vas épouser mon fils. Vous êtes tellement compatibles. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu pars déjà pour le marché? Je vais aller acheter à manger. Je vais faire un mets très délicieux pour ma future belle-fille. Maman, t'es la meilleure. Non, maman, ça ne va pas se passer. Maman, tu es juste impartiale ici. Maman, mais c'est moi qui casse les bois de chauffage avec lesquels tu vas faire le feu. Maintenant, tu me dis directement, moi, ton fils, hein, que tu vas préparer quelque chose de spécial pour elle. Ça ne se passera pas, mon maman. Mon ami, laisse tomber. La jalousie, maman, être jaloux n'est pas... Maman, c'est avec mes bois que tu feras le feu. Jalousie. La jalousie va tuer quelqu'un ici. La jalousie va te rendre une mauvaise affaire. Je prépare spécialement pour elle. Tu ne travailles pas seule, elle n'est pas paresseuse, elle travaille aussi. Alors je dois faire un très bon repas pour elle. M'abrouse comme ça. Maintenant, tu comprends ce que je suis en train de la dire. Jalousie. Tu comprends maintenant ce que je disais. Hein? La jalousie. Ok, c'est bien. Je ne vais plus préparer pour elle. Si c'est pour cette raison que tu as vu bizarrement. T'inquiète, mon fils. Je ne vais plus préparer pour elle. C'est pour toi que je vais préparer. Donne-moi, c'est plus long. Dépose ça. Mais ça devient sérieux. Non, c'est comme si c'est plus normal. Ça, c'est très étrange. Chiquet. Tu fais. Chiquet. Chiquet. Jésus. Jésus. Je sais de toi. Chiquet. Chiquet. Chiquet, tu as perdu tes sens. Chiquet. Tika, reviens ici. Tika, mon fils. Tika. Tika, où es-tu? Reviens. Tika. 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 Tika, fils à mon fils. Tika. Chiquet, regarde-moi. Regarde-moi ta mère. Aie pitié de moi. Ne fais pas ça. S'il te plaît, viens, rentre à la maison. Hein. Rentre à la maison. Maman, sais-tu que le président européen m'a nommé le chancelier africain. Tout d'un coup, dans mon bureau. Obi, s'il te plaît, je comprends. Arrête ces genres de blagues que tu fais. Arrête ces blagues. C'est pas vrai. J'ai préparé toute une marmite de sauce avec de l'huile rouge. Maman, est-ce que tu as une fois goûté le moustique femelle? Ça a le goût de bouillon de ma mère. Qu'est-ce que ça ne fait pas? C'est à quoi je pense? Chiquet, on va à la maison. Maman, avec moi, on va à la maison. Je vais t'acheter des crocodiles. Je vais t'acheter des crocodiles. Je vais t'acheter des crocodiles. Arrête ça. Obi, où est-ce que tu vas? Obi! Maman, nous sommes finis. Nous sommes finis. Chike, Obi, reviens s'il te plaît. Chike, Chike, ne me fais pas ça s'il te plaît, mon fils.
je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? La corruption partout. Des hommes mauvais sont partout. Chiant. Détruisant la vie de ceux qui veulent évoluer. Regardez mon ami, mon propre ami. Mon ami, j'ai appris qu'il est devenu fou. Je n'arrive pas à croire. Je ne peux pas croire que ce gars est devenu fou. Je pense que c'est des rumeurs. Mais si ce ne sont pas des rumeurs, cette communauté va comprendre que Ezendou. On m'appelle Ezendou et ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Ezendou. Je vous le dis. Je vous dis la vérité et rien que la vérité. La raison pour laquelle mes parents m'ont nommé Ezendou, tout le monde le saura. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi frapper quelqu'un de folie? Je voyagerai à Londres, je le ramènerai. Hein? Ça ne peut pas arriver. Est-ce que vous êtes malade? Je ne parle de personne dans ma vie. Personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes malade? Ah! Lis-le très bien pour qu'il ne puisse pas échapper. Lis-le. Plus tard, nous trouverons une chaîne appropriée pour qu'il ne puisse pas échapper. Hey, tu attaches une Lamborghini américaine. Tu attaches une Lambo américaine. Lambo. Une Lamborghini américaine. Une Lamborghini américaine. Hey! Ouchie. Tu vois mon fils? Tu vois l'état dans lequel est mon fils? Le seul espoir que j'ai dans ce monde. Dis-moi, où est-ce que je vais commencer par ici, avec mon fils? Narco, s'il te plaît, aide tes apaisements. Rien ne va lui arriver. Il a le sang de Ouroundjidjian. Et quoi qu'il en soit, il s'en sortira. J.K. Oui, Naï. Je suis confuse. Eligwebohe. Hein? Eligwebohe. Yagbohe. 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 Allez, calme-toi. Hey. Yagbohe. 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 J.K., pourquoi nous faire subir ça? Eligwebohe. Yagbohe. Yagbohe. Eligwebohe. Yagbohe. 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 J.K. Hey. Eligwe boy. Eligwe boy. S'il te plaît. Yabouhe, 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 yabouhe. Non, mais j'ai dit Eligwe boy. Yabouhe. Je n'en crois toujours pas mes yeux. J'ai dit Eligwe boy. Yabouhe. Arrête-moi ça. Yabouhe, yabouhe, yabouhe. Ezendou est un homme attentionné, dont je dois m'assurer que je suis là-bas, voir mon ami. C'est ce qu'on appelle solidarité. Le mot français là est trop fort. Solidarité visite à Tchiké, le mot là est trop fort. Est-ce que c'est... Mais laisse-moi dire la vérité. Si on parle de solidarité ou non-solidarité, laissons solidarité ou quoi que ce soit, mais la vérité est que... Quelqu'un m'a dit que... Si tu visites les fous, ils vont te mordre. Ezendou, tu es dans le pétrin. S'il te plaît, je te supplie au nom d'Allah. Fais un demi-tour. Prends pardon. N'y va pas, parce qu'il va te mordre. Es-tu là-bas? La voiture démarre. Ezendou, n'y va pas. Rentre chez toi. Ezendou. Amobi, je n'aime pas la façon dont Akane était en train de parler. Regarde comment il nous donnait des ordres. Hein? Argent par-ci, argent par-là. Comme si c'est nous qui gardions l'argent de tout le monde dans ce village. Je n'aime pas ça. Nambi, tu devrais savoir que Akane est une personne âgée. Il nous prend pour ses enfants. Donc, nous devons... Une personne âgée? T'as vu comment il nous donnait des ordres? Sommes-nous de... Est-ce notre destin d'obéir à des gens? Hein? Mais vas-y, réponds-moi. Écoute, si ce n'est pas pour le fait que Akane est un homme âgé et que Chiki est notre ami, j'aurais dit non, comme ça il serait lui-même venu le faire. C'est quoi ces bobards? De quoi tu parles? Tu as bien parlé. Et Dieu merci, tu reconnais que Chiki est notre ami. Donc parlons de Chiki et non Akieni. Chiki est notre ami. Hein? Chiki est notre ami? Ouais. Si un homme fout de mort, sache que tu le deviens aussi. Ceci ne concerne pas la tradition, c'est naturel. Continue comme ça. Qu'il soit ton ami, je vais à la maison. N'importe quoi.
tu me laisses ici. Papa, depuis que tu es revenu, tu n'as rien dit. Parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? Papa, parle-nous, non. Donnez-moi d'abord de l'eau à boire. Et dossier, laisse-moi boire de l'eau. Hein? Où est l'eau? Apporte de l'eau pour papa. J'arrive. Papa, de l'eau. Donne-lui à boire, afin qu'il nous parle. Mes enfants, quand un aigle commence à avoir l'apparence d'un vautour, même les ancêtres se poseraient la question, pourquoi? Ce que mes yeux ont vu aujourd'hui est trop fort pour que j'en parle. Papa, parle-nous s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vu? Votre cousin Chike est devenu fou. Hein? Chike? Fou? Jésus. Hey! Je l'avais vu hier. Tu l'avais vu? Même si tu l'as vu hier, est-ce que ça fait une différence? Tu vois, papa, je l'ai toujours dit. Souhaiter que tes enfants soient comme les enfants des autres n'est pas une bonne chose. Comparer tes enfants aux autres n'est pas du tout bon. Tu l'as vu maintenant? Tu as vu la différence? Il fume! Hein? Non, moi, je ne le fais pas. Ah, Chike fume? Ah. Non, non, non. Bien sûr, papa. Il fume très bien. En réalité, il a fumé au-delà de sa capacité mentale. Puis, pia, ça gît sur lui, c'est la folie. Hey! Et Dosier, je ne te crois pas du tout. Chike que je connais n'a pas l'air d'un fumeur. Il ne prend même pas l'alcool. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Ha! Mais Ifunanya, hein? Comment est-ce que tu peux en être sûr? Est-ce que tu vis avec lui? Demande-lui, oh! Mon aimable sœur, demande-lui. Prophétesse Ifunanya. Le ticket que je connais. Racontant ce que tu ne connais pas. Papa? Ce qui arrive à Chike n'est pas du tout ordinaire. Quelqu'un est responsable de cette situation. Si ce n'est pas ça, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Au moment où il veut voyager pour l'étranger. Pourquoi seulement maintenant? Au moment où il veut aller à l'étranger pour faire sa carrière. Soudainement, il est devenu fou. Ah ah. Quelquefois quand je te regarde. Quelquefois quand je te regarde. Parlant de ce que tu ne connais pas. Du marijuana, puis pia, c'est la folie. Du marijuana, écoute, pia, ce n'est pas drôle, ok? Ce n'est pas drôle du tout. C'est de ton cousin que nous parlons ici. Hein? Il fait comme s'il est meilleur. Du marijuana, puis pia, c'est la folie. Père, écoute-moi. Tu essaies de fumer, puis il est devenu fou. Parce qu'il ne connaît pas les conséquences de la prise du marijuana. Moi, je le dirais toujours, il fumait et puis pia, c'est la folie. Il fumait et puis pia, c'est la folie. Il fumait et puis c'est la folie. Êtes-vous sûr que ces garçons ne fument pas du chanvre ou... Et c'est ça qui crée des problèmes à ces jeunes gens. Quand ils fument, leurs têtes deviennent foutues. J'avais vraiment vu Chiki. Hier, je l'avais vu et il allait très bien. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il est devenu fou.
Il fumait et puis bien, c'est la folie. Ha. C'est comment? Dis-moi, pourquoi tu es comme ça? J'ai appris quelque chose. Est-ce que c'est vrai que ton ami Chike, qui est aussi mon ami, il a pris le chanvre indien et ça a affecté son cerveau. Et il est devenu fou. Bien, ce n'est pas un problème, néanmoins. Écoute, c'est ce que font aussi ses semblables. C'est ce qui est à la mode. Osondo. Attends, mon ami, je parle, ne m'énerve pas. Il est aussi mon ami, pas seulement ton ami. Il a quoi? C'est moi. Ne me pose pas à être en colère contre toi. La vérité est que ton ami là qui prend du chanvre indien, c'est ce que font aussi les jeunes dans le village. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous provoquer. As-tu compris? Osondo. C'est moi. Osondo. Je suis là. Mon chiqui et moi. Ne fume pas. C'est pas vrai. Retiens-le. Il ne prend même pas de l'alcool. Alors comment peux-tu parler de l'herbe? Alors c'est quoi ce genre d'absurdité? Edima, ne me comprends pas. Je ne dis pas des absurdités. Tu vois, le problème que tu as est que tu ne comprends pas. Tu crois qu'il ne prend pas de l'alcool, mais l'alcool peut le prendre. Il prend de l'alcool ou l'alcool le prend. Quelle est la différence? S'il ne prend pas de l'alcool, l'alcool le prend. Tu as compris? C'est ça, tu vois. Néanmoins, ce qui est là est que la folie, c'est la folie. Tu ne te souviens pas de la personne qui vend des médicaments? Eva Wotion, c'est lui, le pharmacien. Va lui dire de te donner des médicaments, des comprimés. Je te parle un bon français, toi qui ne connais rien. Des comprimés qui vont le faire dormir. Il va dormir pendant 2 semaines. Ça, c'est la thérapie que je te donne. 2 semaines, il sera comme ça. Après avoir bien dormi, son cerveau deviendra normal. Tu as compris? Ne me regarde pas comme ça. C'est moi. Osondo. Présent. Osondo. C'est le conseil que je t'ai donné. Regardez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Un simple conseil que je t'ai donné, tu n'as pas compris. Pourquoi tu es en colère? Regardez comment elle m'appelle. Ezendo, c'est moi que tu vas contrôler. Ne me contrôle pas. D'après tout. Mais je me suis mal comporté. Ezendo, tu as dit quelque chose qui n'est pas... Va-t'en, je ne crains aucun mal. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu connais? Tu ne peux rien. Je te parle, tu dis Ezendo. Je ne peux rien, mon ami. C'est comme ça qu'on devient fou quand on prend trop de chanvre indien. Un simple conseil que je te donne, tu ne veux pas écouter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais. Monsieur Dick, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je t'ai apporté de la nourriture. Mange. J'ai fait pour toi les riz. Au marché doré, c'est là où on enterre des personnes malades. Si tu veux réussir dans cette vie, va construire ta maison à la morgue. Mon fils, mange ta nourriture. Tu vas l'aimer certainement. National d'Angleterre. Est-ce que tu sais que l'hymne national d'Angleterre commence avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Ra, Ra. Ora di teku. Ola tundi. Ola di. Ola di, bye bye. S'il te plaît, mon fils bien-aimé, Odogo, arrête de me dire tout ceci. Regarde-moi. Comment je suis devenue désemparée. Et si tu es où, pardon. Arrête de me peiner. Si je savais, je n'aiderais pas à moi de le faire cette soupe. Si c'est celle-ci qui cause ces troubles, je l'aurais fait moi-même. Regarde. Cette nourriture est la nourriture des dieux. N'aidez-moi. Écoute, cette nourriture aura le goût d'une tarte à la viande européenne. Cette nourriture aura le goût de ce fadig et... Ça aura le goût de la dik beku. Je vais acheter cette nourriture avec des ringis. Je vais acheter cette nourriture avec des dollars. Je vais acheter cette nourriture avec des dollars. Chiki Choukou, mon fils. Seigneur, c'est quoi cette histoire?
incroyable, mon Dieu. Radi Pekou. Radi. Radi. Radi Kebay. Zoukouaïke. Zoukouaïke. Un beau gars indien. Poulet braisé sud-africain. Je vais te raconter tout ceci, tu mets encore plus mal au cœur, mon fils. Es-tu déjà allé à Dubaï? Il y a un endroit qu'on appelle Dubaï. Sur cette terre. Un endroit qu'on appelle Dubaï. Hein? Tu prends mon manoir. Tu prends mon manoir. Hein? Allez, vas-y doucement. Verser. 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 Maman Dikpe, Ola Tundi, si Igbe, 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 Igbe. Quoi, jetez. Quoi, jetez. Quoi, jetez. Quoi, jetez. Attends, non, parle-moi, c'est quoi le problème? Hein? J'ai commencé à t'appeler depuis très longtemps. Ma chère, en tout cas, j'avais la tête ailleurs. Désolée. D'accord, je comprends. Je sais que c'est à cause de l'état de Chike, n'est-ce pas? C'est bon, ma chérie. Tout va bien se passer. Il ira très bien. Ok? Sois calme. Ah, je dois faire vite. Je suis déjà en retard. Ok. On se verra plus tard. D'accord, je passerai te voir plus tard. Ok, ok, merci. D'accord. Bye. Ok. Hey. Pourquoi Chike? Hein? Ce monde est très étrange. C'est vraiment pitié. Où est Eneo là? Où est l'homme là? Homme mauvais. Homme diabolique. Tu vois pourquoi je te déteste? Tu puisses de l'eau, n'est-ce pas? Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Es-tu venu pour mon fils ou pour moi? Je suis venu chez toi. Je suis venu pour vous. C'est quoi ton problème? Je ne peux pas te demander. Tu es mauvais. Comment puiser de l'eau à ton âge? Regarde-toi. Regarde le gros panier que tu portes jusqu'à tes pieds. Parce que tu n'as pas d'enfants. Tu es un homme mauvais. Ah, arrête! Tu n'en as pas. Ils sont en vacances. Ah, oui, ils sont en vacances. Tes enfants sont allés en vacances. Pourquoi tu ne les as pas accompagnés? Réponds-moi, Anno, où? C'est parce que tu es un homme mauvais. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute ce que je suis venu pour te dire. Je t'ai toujours dit que tu ne représentes pas très bien ton peuple. Tu as compris? Tu ne sais même pas. Je me demande si les ancêtres t'ont vraiment choisi en tant que le Anno. Réponds-moi. Tu me regardes. Viens ici. Viens me parler si c'est Osondo. Vrai. Parce que ton caractère n'est pas quelque chose que je peux bien décrire. Tu ne comprends même pas bien le français, je crois. Oh non, réponds-moi. Osondo. Pourquoi tu appelles maman? Osondo. Qu'est-ce qui se passe? Connais-tu notre tradition? Je suis la tradition moi-même. Tu ne comprends pas la tradition? Je comprends ma tradition. C'est un tabou.
une abomination. Le fait de venir ici, dans mon palais, et vomir des sottises. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu ne m'as même pas demandé, Ezondo, pourquoi tu es en colère. Parce que ton cerveau ne fonctionne pas. Si ton cerveau fonctionnait, tu allais me demander pourquoi tu es fâché. Ok, pourquoi es-tu en colère? Maintenant, tu es le bienvenu. Je suis en colère parce que n'es-tu pas au courant, Enéou, que Tike ne se porte pas bien dans cette communauté? La nouvelle est partout. Il est devenu fou dans la communauté. Tu ne l'as pas vu? Ne l'as-tu pas appris? N'es-tu pas le Enéou de cette communauté? N'as-tu rien à faire à ce sujet? Dis-le-moi, je te pose la question et tu me regardes. Tu es devenu confus. Tu vois, tu es confus. Enéou, tu es bouleversé. Tu es muet. Tu ne peux pas parler. C'est vous qui avez détruit mes affaires au nord. Et maintenant, vous voulez aussi détruire Chike. Il est fou maintenant. Et c'est vous qui l'avez causé. Je suis sûr, très très sûr. Je vois. Tu me regardes comme un imbécile. Enéou, parle. Parle, sinon je vais te réduire en nez avant de partir. Ne me tente pas. Enéou. Enéou, parle-moi. Je vois. Maman, comment est-ce qu'il va? C'est juste comme tu nous vois, oh. Son état n'évolue pas. Maman, tu dois vraiment te calmer. Tu dois arrêter de pleurer. Pour ne pas tomber malade. Mais calmer pourquoi, Dema? N'est-ce pas que le mieux serait pour moi de pleurer, tomber malade et mourir? Non, maman, je au lieu de rester ici et voir mon unique fils dans cette folie. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Ne dis pas ça, ok? Il ira bien. Obi, c'est moi, Dema. Comment tu vas? Des fous sont les plus riches dans ce pays. Ils sont les plus réussis. Certains sont morts. Et certains sont sourds. Je me réveille dans un rêve. Je me réveille demain. Je me réveille il y a 3 ans. Je me réveille hier. Je me réveille depuis 2 ans. Avant la nuit dernière. Est-ce que tu es? Est-ce que tu es? S'il te plaît, Obi, tu dois arrêter. Arrête de faire ça. Fais. De Romy. De Ben. Que fais-tu dans mon palais? Oh. 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 Tu veux profiter de l'accueil de Dubaï? Je dois appeler la reine d'Angleterre pour qu'elle te serve quelque chose. Prends ça. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Sors de ma maison. Quelle maison? Je dis sors de ma maison. Tais-toi mon ami. Quelle maison? Enéou, écoute. Est-ce que tu as eu une maison? À cause de ton mauvais caractère, tout le monde meurt. Personne ne voyage à l'étranger. Personne n'évolue. Écoute-moi. Écoute bien ce que je te dis. Parce que cette chose que tu appelles maison n'est qu'un poulailler. Ouais, ce n'est pas une maison ici. Change ton caractère. Change ton caractère mon ami. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est pourquoi je vais chez Igwe pour lui dire, Igwe, fais beaucoup attention aux gens à qui tu donnes des titres. Parce que si j'étais le Honorou, les choses allaient changer. Il y aurait la paix et la tranquillité partout. Des gens iraient à Londres, reviendraient, construiraient des maisons. Ils se marieraient et auraient des enfants. Construiraient des étages bien clôturés. Pas comme celle-ci. Cette chose que tu appelles maison n'est qu'un poulailler. Tu n'as pas de maison. Tu n'as rien. Et tu te fais appeler Honorou. Méfie-toi. Tu fais tes manigances. Bien. Ne me dis pas de venir. C'est quoi ça? Osondo! Asson! Tais-toi, mon ami. Tu n'es pas Honorou. Combien de fois? Ne me tente pas.
Tu es en train de défier mon titre? Quel titre? Ce titre est vide de contenu. Il n'y a rien là-bas. Ce titre est un contenant vide. Ne me tente pas. Écoute, je n'ai rien à discuter avec toi. Je dois faire tourner ma voiture. Le moteur est déjà allumé. Je vais retourner. Parce qu'il n'y a rien à prendre de toi. Je fais demi-tour. Tourne le volant. Puis, ah, je suis parti. Je m'en vais. Oh no. Homme méchant. Homme méchant. Oh, donc c'est comme ça que la folie commence. C'est comme ça que la folie commence. Hey! Yabouhe! Aniwa! Aninagouhe! Anouda! Anoua Chaka! C'est qui ça? Asime Nunde, Neminoi! Anoua Doué! Aboué! 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 Ils doivent l'emmener ici! Moi je sors pour l'église! Le service va bientôt commencer à l'église! Emmenez-le là-bas! Je vous en prie, prophétesse, c'est vraiment urgent. Juste regardez sa condition. Hein? S'il vous plaît. Le moyen le plus sûr du transport, c'est de ça qu'il s'agit. Oh quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Oh quoi? Kourouba! Kourouba! Et quoi, bah? Kourouba! Le moyen le plus sûr du transport. Et quoi, bah? Kourouba! Kourouba! Mettez-le là-bas. Et nous. Et nous, tout cas. Yavoué, 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 yavoué. Enoude, enoatikai. Enoude, enoatikai. Je sens l'odeur du trouble. Il y a les troubles partout. Ton fiancé est en trouble. Est-il reconnaissant envers la reine? La reine? Il doit toujours être reconnaissant envers la reine. La reine? Il la salue toujours à chaque fois qu'il la croise. Ça n'a jamais posé problème. Ne sois pas comme un enfant. Il doit se montrer reconnaissant envers la reine en faisant un sacrifice avant son voyage. Mais on ne le savait pas. Dites-moi juste ce qu'il faut et je le ferai. Je vous en prie. Dites-moi n'importe quoi. Je suis prête à le faire. Il doit voyager la semaine prochaine et on n'a pas assez de temps. Pitié, prophétesse. Tu dois préparer les accessoires suivants. 7 craies blanches. 7 bonbons rouges. 3 roses noires. 3 bidons de vin de palme. Avec 7 naira. Si vous ne le faites pas, son état va rester intact. Oh non, 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 jamais de la vie. Je vous en prie, grande prêtresse, je ne sais comment trouver toutes ces histoires. Alors, pouvez-vous prendre de l'argent à la place? Pitié. Bref, dépose l'argent ici. Et nous deux, et nous, Jack. Et nous deux, quoi? Et nous deux. Et nous, Jaka. Après ce rituel, vous verrez que la reine mère sera apaisée cette nuit-là. Et le matin suivant, il va reprendre son état. Emmène-le à la maison. Merci. Merci. Et nous, Bafou. Et nous, de. Befo, et nous, Jaka, courez. Assigue, elle est où, courez. Lève-toi. Yaboué, yaboué, yaboué. Et nous, les Befo. Et nous, les. Et nous, Adika. Ombi, par là. Assi. Et nous, les. Et nous, Jaka. Et nous, les Befo. Et nous, Jaka. Et nous, les. Allez, non, Jaka. Allez, non, Jaka. Allez, non, Jaka. Allez,
Maman, ça suffit. Ça ira bien. Alors, où est Chiki maintenant? Demain, l'a amenée chez une prophétesse où elle prie. J'espère que Dieu fera quelque chose. J'espère que ça ira là où ils sont partis. Chiki, maman. Tu dois être forte, maman. Tu fais trop de mal à compter un lieu. Je suis sûre qu'il ira bien. Tout ce dont il a besoin, c'est la prière. Et je sais que Dieu le fera. J'espère bien. Dieu va le faire. Et Jowa, Chike, Chike devient fou. Comment est-ce possible? Maman, ça suffit. Chike, tu es très bonne personne. Rien ne va lui arriver. Oui, je le sais. Il ira bien. Arrête de te déranger. Oui. Comment arrêterai-je de pleurer? Maman, ça suffit. Comment? Arrête. C'est fini. Comment? Ça va aller, mon Dieu. Oh, où je vais commencer, mon Dieu. Ça va aller. Ça suffit, maman. Ça suffit. Je ne perdrai pas espoir. Je continue de croire. Chiki. Chinasa, tu es là? Prends ça. Oui. C'est la liste des histoires que tu vas acheter au marché. J'ai besoin de préparer un très délicieux plat pour mon chiquet. Hein? Rassure-toi de tout acheter. Tout ceci ne coûte que 2500, mais je te donne 3000 pour ton transport et au cas où tu auras besoin de plus d'argent. Fais vite, s'il te plaît. Ok. Je n'ai pas assez de temps. Je dois finir à cuisiner avant qu'il ne fasse soir. Hey! Mon chéri Chiki. Il ira bien. Oh, je pense à toi. Ma chérie. Ego. Hein? Comment tu vas? Oui, je vais très bien, merci. Allez, donne-moi ma 5. Ma chérie. Tu as bonne mine. Quelle nouvelle? Je vais bien. J'ai vu ta jeune sœur. Elle est partie au marché pour m'acheter quelques histoires parce que j'ai besoin de préparer un très délicieux plat pour mon chicken. Tu connais, non? Ok, hier j'étais partie lui rendre visite pour connaître son état. Mais j'avais appris qu'il était sorti. Oh, désolée, j'avais oublié de te le dire. On était allé voir une prophétesse pour la prière. C'est une bonne chose. Et c'est la seule chose dont il a besoin. Toi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je vois sur ton visage le sourire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. C'est parce que depuis que Dike est dans cet état, je sais que tu n'es plus de bonne humeur. Ah oui, tu as raison, tu peux le dire encore. Ouais. Ben, disons que je m'en vais pour une fois voir mon chiquet d'amour. Arrête de dire ça. Ne me dis pas qu'il va déjà bien. Eh ben oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi c'est pas, ma belle? C'est ça. C'est une bonne chose. Je suis très contente. Ok, merci. Je vais donc te rejoindre. Venir avec qui? Non. N'essaye même pas. N'y pense même pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Je dois être la première fille qu'il va voir aujourd'hui. En tout cas, désolée. Hey!
J'ai besoin de lui donner un câlin. C'est vrai ça. Regarde comment est-ce que tu parles. Non, ma vie, j'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. Toi, en tout cas, je te connais très bien. Tu viendras avec moi peut-être demain, ok? Le problème que j'ai avec toi est que tu parles trop. Réserve une session pour moi au studio pour que je vienne enregistrer cette musique. D'accord. Où est cette fille? Apporte-moi ma viande. Ah ah! J'arrive! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Désolé. Ouvre cette chose. Désolé. Merde. Ah ah! Ce que j'ai entendu chez les gens était donc réel? Donc c'est vrai que tu es là assis en train de savourer. Et Dosier, c'est donc vrai? Et tu ne te gênes même pas? Non mais enlève tes sales pattes de là. Tu me dois de l'argent et te voilà en train de manger de la viande et prendre de la bière. C'est quoi ton problème? Où est mon argent? Non, attends, mais regardez-le. Mon argent, où est mon argent? Namdi. Parce que je te dois, je ne devrais pas régir mon cœur. C'est ce que tu es en train de me dire? Franchement, tu es là en train de savourer. Alors que tu t'es venu emprunter au regard, laisse-moi en profiter. On l'aide des sales pattes. Je suis en train de parler, tu manges de la viande en ma présence. Et toi, arrête d'en profiter. Oga, et Dosier, donne-moi mon argent. Je risque de mal réagir, oh, mesure bien tes paroles. Alors je ne devrais ni prendre de la viande, ni vin. Es-tu un sorcier? Namdi, es-tu un sorcier? Gars, nous devons parler. Oga, tu dois cet homme. C'est juste 800 naira que tu dois à mon ami ici. Ah. Mais regarde ce que tu dépenses. Je sais ce que j'ai déjà mangé dans ce plat. 1, 2, 3. Nyatanu, Anyo Djogo. Parle-lui. Parle-lui, il n'arrive pas à payer, mais le voilà. Oga, il faut payer mon ami. Paye-lui son argent. Je ne suis pas surpris. Des ennemis de progrès. Les oiseaux du même plumage. Mais tu sais quoi? Pour avoir perturbé mon moment de plaisir, tu vas toi, je m'occuperai de toi. Hein? Ouais. Regarde-moi celui-ci. Tu ne me connais pas très bien. Namdi, tu sais quoi? Je ne te dois plus. Hey. Oga, donne-moi quoi que tu portes au cou. Tu ne me dois plus. Pourquoi? Pourquoi tu ne me dois plus? Moi, Namdi. Je sais que tu es un garçon très stupide. Mais je ne savais pas que tu es aussi sourd. Hein? Pour avoir perturbé mon plaisir. Comme tu le vois. Ego Gagugo Miri. Hmm. Ton argent s'est noyé dans la rivière du plaisir pour avoir perturbé mon moment. Alors je ne te dois plus, c'est avec ton argent que je vais payer la femme de ce bar pour cette viande et cette boisson. C'est ce que je suis en train de dire. De quoi parle-t-il? Tu as parlé comme un président. Hein? Laisse-moi te parler sérieusement maintenant. Hein? Mon argent s'est noyé. C'était dans quel fleuve? C'est quoi ces moquets de c'est ça qu'il s'agit. Tu ne boiras pas cette bière, je te dis. Namdi. Savoure ta bière. Tu as versé ma bière par terre. Savoure ta bière. Tu parles? Tu la fermes. Namdi, tu as voilà. Versé ma... Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Pour qui est-ce que tu nous prends? Dis-moi. Tu veux que je te baptise avec de la boisson? Non, mais tu as versé ma bière. Tu veux qu'on te verse aussi? On va te renverser aussi. Hé, sauvons-nous. Oga. Prophétesse ou quoi qu'elle se fait appeler. Tu dois prendre soin de mon ami. Chique, parce que la folie est devenue sévère et personne ne s'en soucie. Mais attends, Ezendo, laisse-moi te demander pourquoi tu es fâché. Pourquoi le confronter à la prophétesse? C'est toi qui lui as infligé la folie? Ah, jamais, c'est pas moi. C'est pas moi. Fais attention, sois sage, utilise ton cerveau. Parce que si tu vas là-bas, il penserait que c'est toi qui lui as infligé la folie. Arrête de penser stupidement. Pense à comment trouver à bien boire. Et tu feras comme ça. Ah ah. Ne pense pas aller là-bas. Dois-je retourner là-bas ou bien avancer?
Azan retourne. Azan revient, mon ami. Est-ce que je retourne ou bien j'avance? Là, quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi aller en avant parce que devant, il y a à boire et à manger. À l'enterrement ou au mariage, ça m'importe peu. Merci pour la décision. Hey, il va nous attraper. Odosier! Odosier, s'il te plaît. Est-ce qu'il arrive? Va par là. Allez. Va par là, dépêche-toi. Dépêche-toi, il arrive. Vas-y. On se court. Dépêche-toi, il nous rattrape. Arrête. Es-tu malade? Arrête ce que tu fais là. Que penses-tu faire avec cette bouteille? Jette-la. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Itia King. J'ai rencontré Edouzier pendant qu'il buvait. Edouzier me devait depuis longtemps haut. Alors quand je l'ai vu au bar, en train de boire, je lui ai dit, Edouzier, donne-moi mon argent. Edouzier a commencé à me suivre avec une bouteille. Voilà l'histoire, oh. Edouzier, est-ce que c'est vrai? Papa, cet imbécile n'a pas de respect. Comment pouvait-il me demander de l'argent, là où je m'amusais? Il a même le culot de verser ma bière et jeter ma viande par terre. Père, je vais tuer ce garçon. Arrête, ferme ta bouche. Oh mon Dieu. Vas-tu jeter cette bouteille de merde que tu as? Jette-la. Dites-lui, oh. Es-tu malade? Hein? Alors, est-ce que tu as sa dette? Je viens de te demander si tu as sa dette. Combien? Oui, son ira, oh. Tu dois à quelqu'un de l'argent, mais tu bois tout de même de la bière et tu manges de la viande. Et quand il vient réclamer sa dette, tu prends ta bouteille pour les tuer. Tu vois combien tu es désespéré. Je suis choqué. C'est bon. Ça, c'est 1000 naira. Tu as un surplus de 200. Évite toutes sortes de problèmes, je t'en prie. Ah, papa! Papa quoi? Es-tu fou? Allez, arrête cette bêtise. Tu m'entends? Mon gars. On écoute, laisse-moi te prévenir. Laisse-moi te prévenir. Écoute, si ce n'est pour une chose, Edouzier, je t'aurais maudit. Père, c'est comme ça que tu juges la situation. C'est très injuste. Ton jugement est injuste. Et veux-tu la fermer? Ferme ta bouche. Laisse-moi t'avertir. Les jours où tu tueras quelqu'un dans cette communauté, je m'assurerai de te sortir de ta cachette et faire en sorte que tu sois exécuté. Veux-tu jeter cette bouteille et t'en aller? Ce n'est pas juste. Jette-la. Allez. Ah, merde. Hein? Merde. Quoi? Oh non! Mais qu'est-ce qui t'a si énervé de telle sorte que tu sois de si mauvaise humeur? Qu'est-ce qui ne va pas? Akeni! Je vais au palais. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour accuser Osondo auprès de Igwe. Osondo? Oui! Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Écoute, ce n'est qu'un ivrogne. Écoute, Osondo est en train de m'accuser d'avoir utilisé un feu spirituel pour détruire ses affaires. Imagine! Oh. Hein? Non seulement ça, il vient toujours chez moi m'insulter comme du n'importe quoi, et même en cours de route. Et il dit que je ne mérite pas être le Onohu de cette communauté. Hein? Onohu, Osondo n'est qu'un ivrogne.
Il ne sait rien du tout et ce n'est pas quelqu'un que tu peux prendre au sérieux. Alors pourquoi l'avoir permis à te pousser jusqu'à ce niveau? Ce n'est pas fini, oh. Sais-tu que Osondu a l'habitude d'entrer chez moi par la porte de derrière? Ah, pour faire quoi? Je ne sais pas s'il est un criminel. Je ne sais pas. Hein? Osondu est un ivrogne. Il est un ivrogne. Un simple ivrogne qui ne sait rien du tout. Il n'est pas sérieux. Alors pourquoi passer du temps à t'inquiéter pour Osondu, un ivrogne? Hein? Il se comporte ainsi envers tout le monde. Akeni, si Osondu n'est pas banni de ce village, alors je quitterai ce village. Oui, je le quitterai. Oh non, 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 non. Mais où est-ce que tu vas maintenant? Où est-ce que tu vas? Chez Igwe, bien sûr. Calme-toi. Calme-toi. Osondu n'est qu'un ivrogne. Il n'est qu'un ivrogne. Tu ne dois pas lui permettre de te pousser jusqu'à ce niveau. Viens, rentrons. Ça ne sert à rien. Rentrons. Quelque chose doit être fait. Non, il n'est qu'un ivrogne. Il n'est pas à prendre au sérieux. Vous devez faire quelque chose avant que je ne tue quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Oh. Non, calme-toi, non. Calme-toi. Maman, je suis choquée. C'est très étonnant de les voir dans cet état après tous les sacrifices et les assurances que la prophétesse m'avait données. Ah, c'est bon, Egbo. Egbo, Egbo. Ok, ok, ok. Bon. Ça ira, ça va aller. Hey. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je n'ai rien à dire. Si quelqu'un m'avait dit que mon fils sera normal à ce moment, j'allais contester. Le voici. Dans cette condition de folie, avec tout ce qu'il fait, je n'en reviens pas. Je compte réunir toute la famille. Pour que nous sachions comment résoudre ce problème. C'est un problème sérieux. Il est aussi notre fils. Oui. On ne doit pas te laisser toute la charge. Et nous deux. Et nous, Djadja. Asse. Et nous deux. Et nous, Djadja. Donnez la couronne aux esclaves. Je suis vraiment détenu. Et dis-moi, bouhé. 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 Tout. Combattre la femme du marché. Doku, bienvenue. Et gagne le froid de l'Europe et d'Angleterre. Nata. Calme-toi un peu. Tu vois, les gens sont venus. Amakanda, allez. Maman, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu l'as vu, oh. C'est comme tu le vois. Il est devenu fou. Juste comme ça. Je n'ai pas cessé de l'appeler pour la préparation de son voyage. Parce qu'il ne lui reste plus que 6 jours. Pour recevoir son visa. Mais il ne répondait pas. Il lui reste 6 jours, Duke. 6 jours. C'est pas Et comment ça a pu en arriver là? Est-ce que je t'ai entendu dire 6 jours? Non, 6 jours. Et nous deux? Juste 6 jours. Et si on ne se rencontre pas, tout l'argent dépensé sera en vain. Pas non, ça ne sera pas. Cela n'arrivera pas. Je garde mon Et nous, ça n'arrivera pas. Tout ira bien, il va voyager. Mais nous, Djaka. Et dis quoi? Avoué. Y'a pourquoi avoué? Enigwe Abouhe. Seigneur, reviens à mon secours. Ah, quand jamais. Enigwe Abouhe, Abouhe. Je ne rêve pas. C'est que mon fils. Les dieux de nos ancêtres, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est vraiment en train de nous arriver? Seigneur, sauve mon fils, je suis innocent. En tout cas, je ne peux pas croire ce que je vois. Nous avons vendu ce terrain. Ah, quand j'allais. Pour envoyer ces garçons à l'étranger. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Oh, Seigneur, ne permets pas que tout ces investissements soient en vain. Oh. Amakanjande. Amakanjande. Maintenant que Chike est fou, c'est une belle opportunité pour mon fils et Dozier de voyager. En tout cas, je ne permettrai pas, tant que je suis en vie, que je sente comme un cadavre. Non, ce n'est pas possible. Non. Allô, Duke? Oui. Comment tu vas?
Oui, c'est moi. Ok, très bien. Mais j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que un autre homme comme son frère peut voyager avec le même visa? Non, monsieur, ça ne sera pas possible. Mais Duc, c'est ton travail, non? Tu peux juste gérer la situation. Ils ont un même nom de famille. Lui, c'est Edozie Omumbunjo. C'est notre nom de famille. Personne ne peut voyager avec le visa d'un autre. Mais le travail que je peux faire est que je peux changer le nom pour mettre celui d'un autre et notifier à l'agence de voyage en Angleterre. C'est ton travail, tu peux le faire. Je veux que mon fils voyage. Mais la fiancée de l'homme doit signer parce qu'elle est la seule témoin que la compagnie connaisse. Et cela doit être fait très très vite afin que j'écrive un email à la commission de rédaction pour l'examen des données existantes. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Elle va signer. Ok? Agent Ezibo, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, monsieur. J'espère vous revoir très bientôt. Bye. Que veut cet homme, juste? En tout cas, ça commence à se dessiner. Mon fils et dossier est le prochain à faire de l'argent dans cette famille. Oui,